Et nous voici donc arrivés au calcul mental. Aujourd'hui, on va un petit peu changer. Vous allez compter des euros, trouver des sommes d'argent. Je commence par un très simple. Regardez bien ce qu'il y a écrit sur chacune des pièces que je présente. Lisons calcul, vous aussi à la maison, et vous écrivez votre résultat. Combien d'argent y a-t-il au tableau? Lisons propose 3 euros. Il y avait deux pièces, mais celle-ci en vaut 2 euros, 1, 2 et encore 1, 3 euros. Très bien. Un petit peu plus difficile. Regardez bien la valeur de chaque pièce. Chacun cherche. Et c'est parti. Lison peut noter ce qu'elle a trouvé. Alors, il y a 6 euros. Alors, comment faire pour voir? Ah, attention, cela, c'était 2. On le sait tous, 2 et 2, 4. On est déjà à 4 euros. Et on n'a plus que 2 euros à ajouter. On était à 4, 5, 6 euros. Très bien. On passe à une autre somme. Ah, tiens, on va faire celle-ci. Ah, voilà un billet. Regardez bien la valeur du billet, ce qui est écrit dessus. Lisons écrit. Et vous aussi à la maison. Lisons a trouvé 7 euros. Elle a vu 5. Elle n'a plus qu'à ajouter 2. Quand on se sert de ses mains, 5 et encore 2, on a tout de suite le résultat. On sait que ça, c'est 7. Bravo, 7 euros. On continue. Le prochain. Allez, lisons, combien y a-t-il? Encore un billet? Il est super beau celui-là. Lisons a trouvé 11 euros avec le billet de 10 et la pièce de 1 euro. Félicitations, ça fait bien 11 euros. Attention, un plus gros billet encore. Le voici, mais j'y ajoute ceci et c'est pas fini. J'ai envie d'ajouter encore ceci. Alors, regardez bien la valeur du billet bleu. Il y a écrit 20. Sur celui-là, il y a 5 et sur cette pièce, c'est 1 euro. Lisons, tu nous mets ton résultat. Lisons propose 26 euros. Ici, on avait déjà 20. Ici, 5 et 1, vous connaissez, c'est 6. 20 et 6, 26 euros. Très bien. Allez, un petit dernier, un tout petit peu plus difficile. Alors, je vous propose. J'ai pas terminé. Alors, je vous laisse bien chercher. Prenez votre temps. Comptez. Et c'est parti pour le résultat. Lisons. Montre-nous comment tu comptes. Tiens, lisons. Pour aider peut-être les enfants. D'abord, qu'est-ce que tu fais? Approche-toi et montre-nous ce que tu comptes d'abord. D'abord, je compte 20. Ouais. Après, plus 10. Ouais. Ça fait 30. Tu sais tout de suite qu'en rajoutant une dizaine, c'est 30. 20, 30. Ensuite. Ensuite, on a encore 10. Alors, ça fait 40. Ah, on est déjà dans les 40. Ah, puis des petites pièces après. Après, plus 2, 42. Ouais. Et ensuite, quand on met les 2, 1 ensemble, ça fait 2. Ouais. Donc, ça fait 44. Ok, tu peux écrire ton résultat. Nous avons ici 44 euros. Parfait! Eh bien, je vous dis à tout de suite pour la correction et la présentation du nouveau problème. À tout de suite.